Et c'est parti pour l'idée à la con numéro 25. Alors, il faut d'abord que je regarde avant quoi que ce soit où est-ce que je charge. Donc, tonton poisson, du travail pour tonton poisson. Et ça va me débloquer une tâche, c'est vrai. Ça va me débloquer une petite tâche. Les poutres en métal, il y en a ici. Et les dalles de béton aussi. Ce qui veut dire que si j'y vais en 8 places, alors ça va peut-être pas être facile à manœuvrer. Mais si j'y vais en 8 places, j'aurai juste ce chemin. Il y aura en ville aussi, il va falloir, oh, falloir braquer en ville. Ah oui, je sens que je vais passer par un parking, les gars. Hein. Le reste, ça peut le faire, mais ah, c'est pas si loin que ça. Du coup, il n'y a pas trop de route. Hein. Mon idée à la con va peut-être se passer. Se passer. Voilà. On va rester sur cette idée de rester prudent sur ce qu'on va dire. On va prendre la double roue de secours parce que c'est plus joli. Est-ce que je lui mets une grue? Parce que déjà il me faut l'attelage haut, on va le mettre. Hein. Est-ce que je lui mets une grue de chargement? Alors il a pas la grue, bah non, il a pas la grue Tinger non plus lui. On peut lui mettre une grue de chargement. Hein. Je pourrais presque charger la 8 places histoire de me faire un petit truc sympathique en plus. Il n'y a pas d'autre grue, il n'y a pas l'atlas, non, il n'y a rien. Donc bon. Reste à lui choisir une petite peinture. Je pense que tout le reste, on est ok. Alors, qu'est-ce qu'on lui prend comme petite peinture qu'il a lui-même? Ah, j'aime bien l'orange quand même. Le rouge est pas mal, le bleu est sympa, mais le orange, j'aime bien. Bon, t'as le moteur maximum, hein. Ouais, spécial avancé, standard, ouais. Je sais même pas si je vais pouvoir l'atteler la 8 places parce qu'on peut pas. On peut pas prendre des remorques ici. Et maintenant il le regrette. Ah, j'ai un pote qui a migré son compte parce qu'il s'est laissé tenter par les 4 millions. Là j'ai 4 millions de dollars, mais sur mon compte PS4 j'ai 100 millions. Bah, tu l'as pas migré ton compte? Si t'as migré ton compte, t'as plus le compte PS4, si? Ou ça l'a dédoublé. Bon. À la demande générale, et parce que je suis absolument débile, on va sortir une 8 places. On va peut-être pas sortir la 8 places noire. Qui en plus c'est pas si bien que ça. Alors j'aime pas où elle est. Je l'ai même pas vu. Ah, c'est un attelage bas en plus, peut-être. C'est peut-être un attelage bas, donc de toute façon. Alors, il y a la tractée en 6. Il me sort les attelages bas? Non, il me les montre pas. Il y a des fois, il te montre les remorques, il y a des fois, non. Non, il te la montre pas, à mon avis, c'est parce que c'est une attelage bas. Hein. Ouais, ça, c'est que des hautes. Hein. Ouais. Par contre, il y a une 8 en tractée. Il y a une 8 en tractée, mais. Ah, c'est pas possible. Quand t'as une idée à la con et que tu la mets à exécution. Ouais, là par contre c'est pas ce que je voulais faire. Si ça passe ça par là, je vais l'emmener sur le gué en bois. Ouais, je vais avoir du mal par contre. La remorque ne tourne pas. Ouais, c'est foutu, c'est foutu. La remorque tourne pas et moi j'ai plus de place, j'ai le poteau. Donc on va faire un demi-tour dans la cour. Ça promet du lourd, je sens. Est-ce que tu tournerais pas des masses? Je crois que oui. Voilà, remorque, elle subit, hein. J'ai
pas ce qu'elle fait là, qu'elle se met pas à plat. Bon bah désolé, hein. C'est dans la boue, hein. Les pneus ils vont pas s'abîmer. Allez, on est parti. Change pas tes pneus. Non, je vais les garder comme ça parce que ils sont vraiment pas si mauvais. Ils sont pas si mauvais, je pense que... Et aussi niveau style, j'aime bien. J'ai pris les deux véhicules comme ça dans leur... dans leur configuration de base. Ça y est, je vais y arriver. Et je trouve que des fois, ces pneus-là vont vraiment pas si mal. Alors peut-être que plus sur la première carte. Mais de ce que j'ai testé sur la deuxième, ça fait à peu près le taf aussi. Donc on va essayer, hein. Alors faut que je garde à l'esprit que j'ai une longue remorque. Et un véhicule qui tourne pas. Parce que là... ok, j'ai freiné, mais... Il faut que je garde à l'esprit... Oh, merde. Ouais. Manquait un tout petit peu, hein. Ça va, ça passe. Ça passe, on va essayer de la jouer propre quand même. On va essayer de faire ça correctement. Ils sont très bien. Ouais, ces pneus de base sont vraiment très bien, on dirait pas comme ça. Mais en fait, avec les stats, c'est pas terrible. Mais de ce que je les ai essayé, en fait, à chaque fois, j'ai été surpris qu'ils fassent aussi bien le taf, voire des fois à des endroits mieux que les pneus boue. Donc... Oh, c'est juste, hein. Waouh. Réitère la WD pour les virages serrés. Ouais, bah après la WD, qu'est-ce que ça fait pour les virages serrés? L'enlever, ça aide. Ça m'étonnerait que ça aide dans les virages serrés, si. C'est surtout le bloc diff qu'il faudrait pouvoir enlever, mais on peut pas. La WD, de l'enlever, il tourne mieux. On est d'accord. C'est déjà drôle. Ouah, déjà drôle de quoi? Ça se passe très bien. Ouf, le poteau était pas long. C'est le virage à l'usine qui m'inquiète léger, on verra. Ça dépend. Le reste, alors il y a en ville aussi, je sais pas comment il va se débrouiller. Regarde-moi ça, comment il roule dessus là où le Mac était coincé. C'est impressionnant. Bon, là, il a ralenti un peu. Mais... avec sa hauteur de caisse, à mon avis, il est beaucoup moins gêné. Ah, il pousse quand même, hein. Ah, lui aussi, il a peut-être une hauteur un peu merdique, hein. Mais vu qu'il est très puissant, ça le gêne un peu moins. Mais là, j'ai l'impression que... ouais, il va bloquer quand même parce que... la hauteur de caisse est finalement pas si bonne. Franchement, IRL, des remorques moins grandes que ça, ont les essieux suiveurs. Ce serait top dans le jeu, mais moins dur forcément. Bah, comme dans Construction Simulator, il y en a une qui a les essieux qui tournent, ouais. Alors après, du coup, la conduite est nettement différente, hein. Des fois, tes virages, faut les serrer, sinon ta remorque, elle va tout taper. C'est un peu... c'est assez différent, hein. Si ton bloc diff est enclenché, donc il impacte sur ta direction. Ah! Ah oui, d'accord, oui, si t'enlèves la WD, t'as forcément pas le bloc diff, d'accord. Oui, effectivement. D'accord, ouais, j'avais pas vu ça comme ça, bien vu. J'avais pas vu ça comme ça, en fait, que le bloc diff est sur la WD, donc si t'enlèves la WD, t'enlèves le bloc diff avec. Forcément. Effectivement, bien vu. Dans la vraie vie, si tu as le bloc différentiel et que tu tournes, tu peux... de la direction, c'est pas exactement, mais tu casses quelque chose. Oui, c'est forcé que... alors... je vois que tu coinces pas entièrement. Allez, passe-moi ça. Je sais pas ce que dans quoi t'es. Un caillou. C'est là où les pneus de base vont peut-être pas forcément être géniaux. Sur la seconde carte. Mais il avance.
On va le laisser progresser des fois qu'il y a juste un petit truc qui le gêne. Il a l'air de vouloir monter sur quelque chose là. Ce qui n'est pas vraiment normal dans de la boue, mais... Voilà, il y a un truc qui l'emmerde là. Il y a un truc qui l'emmerde, il y a une piscine, il y a un pédiluve là et... Ils ont oublié de le virer quand ils ont fait la route. Ah oui. Je pense qu'il devait y avoir une piscine ici. Hein. Ouais, dans les virages serrés, il faut pas oublier de l'enlever. J'essaierai d'y penser. Pas trop serré, ouais, heureusement, parce que la remorque elle a du mal. Voilà, oh, ça va, il n'y a pas beaucoup de virages serrés. Il y avait ceux à la sortie du garage, les autres, c'est assez easy. Aujourd'hui, j'ai fait un achat, je suis trop content. Le mastodonte, le ras vanille, le res vanille. Et le crocodile, c'est tous les trois des bons véhicules. Ah, le Resvani, c'est particulier. C'est particulier, le Resvani, il est pas mauvais, mais ça dépend des cartes. Alors peut-être avec les pneus boue, mais il me semble que c'est ce que je lui ai mis l'autre fois. Je crois que je l'avais testé sur cette carte. C'était pas dingo, quoi. Alors là. Là, j'ai fait une légère boulette. Je suis trop sur le côté, j'ai pas regardé où est-ce que je roulais. Je risque d'être emmerdé pour passer le virage avec le rocher. Donc on va serrer un peu plus côté gauche. Ouais. Désolé, j'ai démonté son nom. Le Ras Vanille Hercule. R-A-Z. Allez, allez, allez. Ah, j'ai oublié d'enlever le bloc diff, tiens, ça aurait peut-être pu m'aider. Enfin, la WD. Oh, ça va, c'est large. Je croyais que la remorque allait pas suivre, mais peut-être sur le bitume, elle suit un peu mieux. Ah, j'ai essayé de braquer, mais ouais. Je vais carrément lui enlever, en fait. Hein. Tu l'as pas démonté, là, tu lui as cassé les ponts. Waouh, putain! Parlant de casser les ponts là, putain, les trous ils sont quand même balèzes. Hein. Ils ont un peu abusé, je trouve. Bon, on arrive en ville. Va falloir trouver un chemin pour assurer avec cette 8 places. L'essence, ça va aller. Au pire, j'en ai sur le toit. Ouais, largement assez. On verra plus tard pour ça. On va déjà... Oula, je suis pas bien placé pour ça. Ça va. Alors, j'avais dit peut-être par le motel. Ou... Parce que le motel, je peux croiser un peu. Il y a un panneau de merde, mais... Je peux croiser plutôt bien en diagonale. Ah bah j'ai déjà foutu la boîte aux lettres, d'accord. Ah, j'ai pas eu le deuxième panneau. C'est bien. Donc, hop.
Je sais même plus si c'est par là. C'est par là exactement, hein? Ouais, c'est ça. C'est par là. Ouah, il passe pas sous les arbres quand même, hein. Je me sens moins à l'aise qu'avec un boar. Hein. J'avoue que je me sens un peu moins en confiance. Ça va, il n'y a pas trop trop de virages. Mais les manœuvres sont quand même beaucoup moins évidentes. Hein. Il y a encore de quoi mettre une place. Hein. Il y a encore moyen de mettre un truc une place là. Hein. Dommage. Hein. Elle fait tout de suite moins grande, hein, la 8 places, hein, quand t'as un gros truc comme ça à l'avant. Ah, elle fait moins la maline. Hein. Ah oui, par contre, là, ça va être un petit peu serré. Un petit peu serré. Surtout avec un... Avec un arbre, un poteau, là, ici, plutôt. Ouais, et puis alors, moi, je suis coincé dans des... Dans les lames de bitume, dans les espèces de trous de merde là. Putain. La manœuvre est pas évidente. Si je veux éviter de taper quoi que ce soit. Ah, il est trop près cette caméra. Ah, puis je suis dedans là. Ah, je suis dedans, merde. Ah, je voudrais bien essayer de la jouer un peu roleplay quoi. Il faudrait que j'aille un peu plus loin en fait. Faut que je lui fasse limite passer le poteau pour pouvoir... Ah, il casse pas celui-là, sérieux. Chier. Allez, tonne, 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 tonne. Ouais. Ça a légèrement touché, je voulais éviter, mais... Ouah, là, c'est encore pire. Ah ouais, là, vous êtes bien... Ouais. Bon. Ça a l'air d'être un peu anti-8 places, là, votre passage. À part frotter la remorque, là, je vois pas ce que je peux faire. Hein. Là je vois pas, je veux bien faire toutes les manœuvres que tu veux, mais là... Là tu peux pas. Tu peux pas passer là. Ou alors en passant tout droit là. Ah, il y avait peut-être moyen de passer tout droit. Ah, il y avait peut-être un passage tout droit, je le tenterai peut-être au retour. Parce que avec les trucs chargés, ouais. Ce sera peut-être un peu plus dur à manœuvrer. Couche le sapin, c'est pas grave. Ah, j'essaie de faire comme s'il fallait pas. Avec ou sans AWD? Sans. J'aurais pu mettre la vitesse lente. T'en as besoin? Déjà, je pense qu'il ferait mieux que je sois un peu plus sur le côté là. J'ai l'impression de monter sur un petit caillou. Il y en a un ou pas? Alors je monte sur un truc. Je sais pas sur quoi. Ouais, si, il y avait un caillou. D'accord. Il y avait un caillou. Allez, Ouis. Pour l'instant, on est à vide en plus. Hein. Bon, alors je sais plus à quoi ressemble l'usine, comment je vais charger. Et surtout comment je vais faire demi-tour. Hop, 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 hop. Celui-là, je le coucherai pas d'arbre.
Voilà. Alors, bon, la cour d'usine, elle est plutôt grande. Ah, par contre, pour charger, c'est un peu merdique. Ok. Bon. J'ai bien l'impression que je vais devoir faire ma manœuvre comme ça. Par contre, pour repartir, je vais en chier. Hein. Ah, elle veut pas y aller. Elle veut pas y aller, j'ai déjà trop de retard. J'ai déjà trop de retard. Et j'ai pas assez de place, surtout en plus pour. Ouais, non, c'est ce que je vais faire. Je vais carrément faire le tour en fait, parce que ça passe. Et je vais essayer de me mettre droit à peu près pour. Pour la manœuvrer, et puis c'est tout. Hein. Doucement! Je vais carrément essayer de la manœuvrer. Ah là là, elle est trop loin. Elle est trop loin. Elle est trop loin. Elle est trop loin. Avec un board, ça je passe parce que l'essieu, l'attelage est pas. Est pas aussi loin là. Parce que du coup, toutes les manœuvres, elles sont plus longues là. Bon bah désolé, il se peut qu'il y ait un sapin qui soit martyrisé pendant cette vidéo. Hein. Ouais, et peut-être pas qu'un sapin. Par contre, il va m'emmerder celui-là pour peut-être manœuvrer. Ça va être tendu, mais ça passe. Ça, ça va pas être pratique. Et puis pour repartir, c'est pareil. Hein. Ah, merci, la caméra, c'est impec. Ouais, elle a surtout glissé plus que tourné. Pas assez. Ouais, pas assez, c'est ce que je disais. Allez, je peux voir une vue d'ensemble, s'il vous plaît? Non, je peux pas, d'accord, merci. Je sais même pas où est-ce que je roule. Pff, et même là, je vais pas réussir à la braquer, je sens. Ah, puis il y a carrément pas de place là. Ah, elle braque pas du tout. Je suis en train de la faire glisser sur les ancres, les béquilles. J'arrive pas à la faire bouger. Là, ça devrait être bon. Ouais, j'ai pas pris peut-être le truc comme il fallait, je sais pas. Bon. Elle va être en place, par contre, ce qui me pose problème, c'est leur container de merde, là. Parce que je vais même pas pouvoir intercaler mon camion entre. C'est pas futé, votre placement des trucs, là. Hein. T'es obligé de la foutre de travers. Puis alors, c'est pas que j'ai une grue de malade, hein. Bah si, elle est malade, mais pas dans le bon sens. Est-ce qu'elle tient droit, déjà? Tout juste, hein. Et moi, c'est tout juste si je passe aussi. Ouais, en fait, je passe pas. Bon, bah tant pis, on va l'écarter un petit peu manuellement. Hein. Non, tu bouges pas. Pour une fois, tu veux pas bouger, d'accord. Putain, vous êtes chiant hein, avec vos cours d'usine à la con, là, de 2 mètres carrés, sans déconner. Bon, voilà. Alors, on a besoin de deux poutres en métal d'abord. Allez. Oh, les ancres, elles partent pas loin. Hein. Les béquilles, pardon. Ah, si, c'est les ancres sur les grues. Tous les sapins de la vidéo ont bien été entretenus et ont subi zéro maltraitance. Ouais, ça. C'est pas gagné, ça. Putain, j'ai pas mal consommé. Ah, oui, quand même, c'est loin. Ah, oui, j'avais pas. D'accord. J'avais pas relevé que j'étais aussi loin de l'avant.
pas si je vais pouvoir. J'ai eu peur. Allez, hop. Ça va que les béquilles, au moins, elles font le taf. Ça fait plaisir. Ah, je croyais que j'étais plus haut que ça. Du coup, j'ai prévu pile poil. Hop. Ensuite. Dalles de béton. Si je me trompe pas, c'est ça. On est d'accord, c'est bien les dalles de béton qu'il faut ensuite. C'est bien des dalles de béton. Elle fait ridicule avec la taille du camion. Ouais, un peu. Fin de service pour moi, plus le chat, bonne fin de game. Ça marche. Bonne soirée à toi, rentre bien. Hop. Oh, j'ai tout le temps peur, je suis un peu près du coup. Et j'ai pas pu la placer mieux que ça. C'est une grue comme ça qu'on devrait avoir sur les autres camions. Qui arrive à porter, qui a de la puissance et qui a des bonnes béquilles. Et pas les grues asthmatiques qu'on a sur tous les camions. Hop. Reste calme, ça va bien se passer. Alors, ce que je pourrais peut-être prévoir aussi, c'est le départ. Si je me mets un peu plus en direction là-bas, je pourrais prendre un virage un peu plus large. Donc par contre la butte elle est balèze, j'arrive à peine à la monter là. Elle me retient en bas, j'arrive quasiment pas à grimper dessus. Avec la 8 places ça va être chaud. Ah merde, je suis pas du tout au bon endroit. Hop. Hâte les remorques. Empiler. Mettre la journée. Ah, tu fais moins le fier là. Ah, tu fais moins le fier là. Ah oui, là il y a moins de monde, ça chante moins. Là ça chante moins. Allez, c'est parti. J'espère que la remorque va pas trop cabrer sur le côté. Ça devrait le faire, le virage, ça devrait aller. Il y a assez large, je peux sortir un peu sur le côté. Bon, le sapin, je suis désolé, tu dégages. Toi aussi. On décarre. Bon, bah là, je pense qu'on est bien chargé. Ça devrait aller. Hop, hop, hop. Ah oui, j'ai... Ah, d'accord. Ok, tant pour moi. J'ai foiré complètement. J'avais oublié qu'il y avait ce petit zigzag là. Qui est vraiment balèze. Si je vais éviter de tout frotter. Salut Zgouille, bienvenue à toi Zigouille, excuse-moi. Merci pour ton follow. Allume la lumière. Alors. On va allonger les poteaux. Oh la vache, je suis en train de redescendre dans le chemin, j'ai aucune possibilité de rester là où j'étais sur la route. Allez, vas-y, contre-braque. Voilà, ça passe.
Ça passe. Ah. Là, faut que je fasse gaffe de pas faire n'importe quoi, sinon... Ça va, ça passe. Et donc là, est-ce qu'on peut passer tout droit? Parce que franchement, le virage me paraît... Ah oui, quand même, il y a... Ah, d'accord. Ah oui, bah là, si je passe tout droit, là, ça va pas le faire. Hein. Ah oui, non, ça va pas le faire, là. Ok. Alors, peut-être passer... Je peux passer à côté du poteau, mais ça m'emmerde. Je vais ratamer des sapins qui n'ont rien demandé à personne. Ah, je pense que je vais essayer de la jouer propre. Hein. Ce qui m'emmerde, c'est les traces de roues dans le sol. C'est curieux de pas, des fois de pas avoir de traction, alors que les trucs, tu peux absolument pas les éviter. C'est du béton armé, les machins. On va enlever AWD bloc diff du coup. Je suis pas sûr que j'arrive à passer là. Là j'ai déjà un arbre qui m'emmerde. Ah, de toute façon il y a un léger rocher qui m'emmerde. Non, je me semblait pas que j'avais mis le treuil, mais admettons. Donc là déjà c'est trop serré. Ah si, ça passe. Très très juste, mais ça passe. Ah, là par contre là par contre ça va être tendax. Ouais, surtout si en plus je suis vraiment dans le rocher là. J'avais pas prévu d'être à ce point dedans. Ouais, tant pis. Allez, doucement. Ouais. Je vois que ça de possible de faire. Ah, je suis redescendu. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, je suis pas bon là. Ah là 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 là, ces enchaînements de virages là. C'est vraiment anti 8 places ça, hein, ce qu'ils ont fait. Et je suis dans l'arbre. Eh bah oui que je suis dans l'arbre, évidemment que je suis dans l'arbre. Putain. D'accord, ah oui c'est vrai que celui-là il casse pas. Il ressemble à rien mais il casse pas celui-là. Salut Olivier! Coupe les sapins, tu auras des troncs courts. Ah, je vais y arriver, je suis passé à l'allée. Je vais y arriver à passer là, mais. Faut que j'arrive à bien me mettre. Alors, non, ça, ça ne casse pas. Merci. Hop, voilà, bien longer l'arbre. Ensuite, on va aller lécher le rocher, voire lui monter dessus. Voilà. Sauf que je peux pas lui monter dessus. Il est un petit peu haut. Là, je peux. En contre-braque. Allez, monte, monte, monte. Il va falloir y aller, là. Si je veux éviter, je sais qu'il y a un autre rocher. Ah oui, il est là. Ah oui, il est là, non mais... Putain. Comment tu veux que je passe, en fait? Alors, j'ai mon retour qui a craché. Complètement. Ah oui, non mais il est partout, votre rocher de merde, là. Ouais, c'est impossible de passer, votre virage, là. Comment tu veux que je fasse, moi? Je peux que taper dedans, quoi. Y a rien à faire. Y a rien à faire, t'as pas la place de passer, t'as rien. Avec le board, j'aurais peut-être pu, mais là, je peux pas. Salut, Optimus.
J'aurais peut-être pu avec le Board, mais là, pas moyen. Bon, on va peut-être aller faire un petit plein d'essence. Je vais peut-être lâcher la remorque au niveau de l'hôtel. Alors. Ouais, ça a l'air de passer ça. Petite manœuvre pour l'avant, sinon ça a l'air de passer. Largement. Hop. Ouais. Non. Si je veux passer proprement, j'ai pas le choix, c'est par là. Bon, je vous dépose ça, les gars. Vous me la surveillez, hein. Je vais faire un petit plein juste à côté. Ah. Bon, bah, désolé. Je l'avais pas vu, celle-là, et je pensais que ça serait passé sans que je touche quoi que ce soit. Tant pis. Ah ben, il en avait bien besoin, il avait soif, hein. Fais gaffe au braconnier. C'est vrai. C'est vrai, ma remorque va disparaître ou elle va être dans le ciel, je sais pas. Ils vont lui mettre des ballons d'hélium ou des trucs à la Just Cause. Je vais plus la voir, ma remorque. Je vous ai vu, tirez-vous. Oula, 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 oula. Ah, autant pour moi. Je pensais qu'il freinerait un peu mieux que ça. Alors. Ouh, va pas taper la remorque non plus. Faut pas que je prenne trop serré parce que. Ah. Bon, je fais beaucoup de dégâts, hein, mais. Je fais ce que je peux. Bon, bah, en avant. De toute façon, les barrières, là, je pense que j'aurais été obligé de tout éclater pour passer. Vu que la route est plus étroite par là. Ouais, je suis désolé. Désolé, mais là, ça commence à être compliqué. Avec le Board, j'aurais fait l'effort, mais avec lui, je pense que j'aurais pas pu au bout d'un moment. J'aurais été forcément coincé. Bon, bah, tout droit, entre guillemets, jusqu'à l'usine de conserve. Allez, c'est parti. Pas pris de photo en ville. Ah, les béquilles qui accrochent un petit coup. J'ai pas pris de photo en ville, c'est dommage. Oh, c'était proche. Allez, on va surveiller un petit peu où est-ce qu'on passe là, parce que. Merde, j'avais pas vu que j'étais en route. Oh, ça va être juste. Je crois que ça a touché. Ah, fait chier. L'esquive du panneau était juste. J'ai fait les contrats qu'il me manquait à Zimnegers pour finir forage en cours et je suis bientôt arrivé à Zimnegers pour amener la foreuse depuis terrain inondé. D'accord.
Tu décides à finir des cartes, ça y est? Eh bien, il faut. Ou alors elle fait ressort à la remorque. Elle plie un peu. Hein. Elle plie, mais ne rompt point. Ouf. C'est chaud, hein. Écoute, ça fait le taf, hein. Ah, j'aurais peut-être... Peut-être que j'aurais dû regarder où je vais. Bon, ça va, c'est encore assez large. C'est vrai que c'est chaud, le camion il est plus large que la remorque pour une fois. Et on se dit, merde, la remorque passera pas, mais en fait ça va. Le drift c'est fini. Ensuite je pense que je vais faire l'Alaska, car j'ai pas un seul objectif de région de fini. L'Alaska est excellente, hein. L'Alaska est excellente, faut prendre son temps. Après, si t'as été chercher des véhicules en plus de la suite du jeu, lors d'Aramatsu, des conneries comme ça, tu pourrais t'éclater avec... je sais plus si t'avais les DLC. Pour varier un peu les objectifs de bois, tout ça. Après, maintenant, il y a les modules, on les avait pas, mais... L'Alaska, je le regrette peut-être de l'avoir mis en bien seulement dans ma tier list. J'aurais presque des regrets de pas l'avoir mis en très bien, finalement. Il y a quelques trucs qui me gênent, mais finalement, après l'avoir refait... L'Alaska est quand même très très cool. Très 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 cool. Je pense que là, je suis posé sur un rocher. Non, c'est pas un rocher. Alors, je bouge ou pas du tout? Je bouge un tout petit peu. J'ai bien envie d'essayer de s'en sortir tout seul. Pas sortir le treuil. Ah non, t'as aucun DLC. J'aime beaucoup l'Alaska, surtout à Vallée Blanche. Moi, j'ai bien aimé, c'est Rivière de Montagne. Alors, c'est petit, mais j'aime bien la zone industrielle, tout ça. J'ai bien aimé ça. Pedro Bay, le petit coin gelé, là, qui était assez cool aussi. Les deux petits coins, il y en a deux endroits. J'ai quand même beaucoup aimé l'Alaska. Non. Il avance mais en vitesse basse moins. C'est très très léger. Suffit qu'il passe le petit coin qui l'emmerde et ça sera gagné, mais je sais pas ce que c'est. Hein. Tu veux pas passer le petit coin qui t'emmerde, s'il te plaît? Le drift reviendra peut-être après avoir fini les régions. Il y a des jeux de drift sur Twitch. Hein. T'as d'ailleurs le très bon... très 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 bon... Grid... merde, je sais plus ce que c'est. Grid? Merde, c'est lequel déjà? C'est pas le 1, c'est pas le 2, c'est pas le Legends. C'est... pas le 3, c'est le grid. J'ai plus le nom. Vous retrouverez, alors je peux plus voir, j'ai trop de voitures Fast and Furious devant mes jeux. Grid. J'ai plus son nom. Bon bah je vais mettre un coup de treuil parce que je commence de m'emmerder. Ouais non, c'est pas Motorsport, mais ouais, ça doit être un truc dans l'idée. Autosport, Grid Autosport, voilà. Qui est très très bien, il y a tous les DLC inclus, il y a le drift qui est franchement très cool. Tu peux remplacer la gâchette pour accélérer par le stick droit, histoire d'avoir un contrôle des gaz. Il est très très bien ce jeu, franchement, il était très cool. A l'époque, il était vraiment pas très intéressant parce qu'il était sorti... je crois la Xbox One était déjà là, il était sorti sur 360, c'était très chelou. En tout cas, il est sorti à une période vraiment très curieuse. Mais pour un jeu Switch, quand t'as que ça, pour ainsi dire... C'est une très 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 bonne pioche. Hein. Franchement,
avec tous les DLC qu'ils ont rajoutés, les circuits, les voitures de DTM, les vieilles, de la Volvo, tout. Je l'ai pas beaucoup joué. Faudrait vraiment que je m'y remette. Il était très très cool. Les menus sont un peu pourris. Je les aime pas tellement. Les menus, je pense qu'ils auraient dû y faire quelque chose. Ils l'ont juste porté. Bon. Ils auraient pu retaffer un peu les menus pour faire un peu plus intéressant. Quand tu choisis un circuit, des fois c'est un peu merdique. Plutôt que de te faire choisir ta voiture, choisis ton circuit. Ils te font choisir le circuit. La voiture, c'est en fonction de ce que t'as pris. C'est bizarre. Ah, tu vas recaler ici. Bon, je t'en voudrais pas trop parce que là, tu tires quand même du lourdingue. Non, t'es vraiment calé. T'avances vraiment quasiment plus là. Ouais. Je sais pas. T'as l'air de monter sur des trucs des fois. Hein. Il y a des fois, il monte sur des trucs. Je sais pas si c'est des cailloux cachés dans la boue ou quoi, mais. Il devrait s'en sortir et s'en sort pas. C'est quand même curieux. Hein. Bon, il tire du poids. Pour une fois, je gueulerai pas. Hein. Il est légèrement chargé. Et peut-être que les pneus boue m'auraient aidé. Peut-être que les pneus boue, là, j'en aurais moins chié. Je sais pas. Mais je trouvais ça plus sympa. J'ai été chercher le Hank et le 4 grâce à tes tutos. Bah écoute, merci à toi. Ça fait plaisir. J'ai bien aimé, mais trop de blanc me faisait mal aux yeux. C'est vrai que la neige, c'est assez particulier. Tout est blanc, c'est assez monochrome. Même les camions, les couleurs ressortent plus tellement. C'est assez particulier, ça, sur les maps de neige. Mais après, les camions, je trouve, ils ont pas une teinte qui brille assez pour que ce soit cool. Parce que tu mets un camion jaune dans la neige, tu vas voir, il va quand même flasher. Mais là, le jeu, déjà, il te les peint avec de la neige quand tu sors du garage et ça s'enlève après. C'est l'inverse, normalement. Et ils sont un peu une couleur rouillée, c'est pas une belle couleur métallique, tout ça, donc ça c'est un peu dommage. Bon, je sais pas pourquoi tu galères à ce point. J'ai un petit peu de mal à saisir, on dirait qu'il y a une espèce de trottoir à monter là. Et bah forcément avec du poids et tout, bah t'as un peu de mal. Hein. Un pépère. Ah oui. Ah oui. Pourquoi je mets plus mes... Si, il y a les balises qui tournent, elles sont invisibles. Elles tournent pas les balises. Ouais. On dirait qu'elles sont fixes, hein. J'ai sorti DLCX comme mod. Comme je sais pas les stats des pneus, j'ai mis les ZHM. Oui, bon, c'est ce qu'il faut mettre. De toute façon, le DLC. Enfin, le DLC. Le mod DLCX. Il est très bien de toute façon, quoi que tu mettes. Enfin, il est un peu lent. Il est un peu lent. Bon, après, j'étais sur une map à chier quand j'avais essayé. J'étais sur Guayot Expanse, qui est une jolie map, mais qui était très difficile. Je sais pas du coup si c'était la map qui était difficile ou le camion qui était pas bon. Hop, hop, hop. Ouais, c'était un peu juste là. Allez, on peut rouler là. C'est quasiment de la route nickel jusqu'à l'usine. Hop, hop, hop. Voilà, la remorque, elle m'a un peu poussé. Là, il y a un gros arbre dans l'entrée et dans le virage. Ah, pour une fois, il n'y a rien. Ah, je suis allé trop court quand même. Ça a touché léger. Ah, il faut repartir de l'autre côté un petit peu.
Allez, on y est presque. On aura fait la 8. On aurait fait la 8 sur Kenworth. Bon, la route n'était pas trop compliquée. J'ai surtout essayé de la jouer un peu roleplay pour pas tout ramasser, tout pousser. Bon, c'est vrai que je sais pas si les pneus m'ont vraiment beaucoup aidé là sur ce coup-là. Je pense que des pneus boue, ça aurait peut-être été mieux. Hein. Des pneus boue, ça aurait été mieux pour les zones de boue justement où il y en avait beaucoup quand même. Ça aurait été mieux, mais bon, je voulais avoir un camion qui était stylé. Et il l'est. Voilà, il galère là. On dirait que t'es en panne d'essence, mon pote. Ah bah, disons qu'il a galéré là pour la faire monter, hein. Là, vitesse haute, ça décarre tout seul, mais... vitesse normale, il a du mal. Et c'est fini. Et c'est fini. C'est une toute petite zone pourrie, ça. Ça se passe tout seul. Il n'y a plus qu'à essayer de garer ce gros bousin à côté du Mac, parce que ça va être un virage peut-être un petit peu serré. Du coup, on enlève la WD. Oh non, ça va le faire. Non, ça va le faire. Oh, il tourne pas beaucoup mieux, j'ai l'impression, en enlevant la WD bloc diff. Hein. Faut pas que ce soit incroyable. Hein. Y a pas de quoi sauter au plafond. What? Tcha, il tourne pas et je lui dis de tourner et il bronche pas. Pourtant t'es censé avoir des pneus qui roulent sur bitume quand même mon pote. Hein. Ah, et ben voilà. Ça c'est fait. Petite 8 places en Kenworth. Je l'ai fait. Bon, c'était pas la route la plus difficile, mais... Alors, l'usine de conserve, qu'on ait le tout. Hop. On reprendra la même. Du coup, même pas besoin de s'éloigner du véhicule pour avoir l'ensemble. Hop. Allez, on livre. Donc, tu veux je sais pas quoi. De toute façon, tu vas te débrouiller. Attention. Construction. Ah non. Oh, c'est dommage. Il est magnifique le bâtiment. Je l'ai jamais vu, je crois. Je sais pas si je l'ai déjà vu ce bâtiment. Est-ce qu'on l'a déjà vu ce bâtiment? Non, non, ça je m'en fous. Ouais, chauffeur, on s'en fout aussi. Je sais pas ce que j'avais mis pour l'autre. Est-ce qu'on l'a déjà vu ce bâtiment? J'en ai aucune idée. Ça me parle pas comme ça. Je sais pas quelle hauteur j'avais par contre en... Ah c'est dommage. Uncle Fisher. 18 950. Alors je suis désolé, j'ai pas lu le texte du début. C'est formidable, maintenant North Peak aura encore plus d'activités et il y aura encore plus d'emplois à créer. Eh ben écoute, de rien. Non, on va laisser la même luminosité, ça sera très bien. Du coup, vu qu'il y a le logo dessus... Putain, franchement, le bâtiment, il est magnifique, quoi. Il est magnifique. Il est vraiment superbe, ce bâtiment. Il y a le logo des deux côtés, c'est très chouette. C'est franchement très chouette. Waouh! Ah, il est beau le bâtiment, ouais. Et je crois pas qu'on l'ait déjà vu dans une autre phase, dans une autre carte. Donc il y a quand même un nouveau bâtiment qui aurait été créé. Ok. Bon. Eh ben, il est chouette.